Nous allons prendre les questions des internautes à présent. Toute la première qui dit, est-ce qu'il est possible d'envisager ou de considérer que la période de confinement a été bénéfique pour renforcer le stock halieutique ? Bénéfique, vous savez, le poisson, quand on va pêcher la ressource et la préservation de la ressource, elle est faite pour l'homme, pour les besoins de l'homme, pour les besoins nourriciers et pour les besoins économiques. D'abord, donc ce n'est pas une fin en soi. L'essentiel, c'est de prendre juste la quantité de poissons qu'il faut pour ne pas obérer ou compromettre le cycle de renouvellement de cette ressource. Mais la finalité, c'est l'homme, c'est les besoins de l'homme, c'est la satisfaction nourricière et économique de l'homme. C'est ça la finalité. La préservation n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité en soi. Mais l'équilibre est nécessaire parce qu'on a assisté, à cause d'une expansion démesurée de l'effort de pêche, ce qu'on appelle l'effort de pêche, c'est les capacités de pêche qu'on peut mesurer en nombre de bateaux surtout. Quand il y a trop de bateaux par rapport aux poissons qu'il y a, il y a une disproportion, il y a des dysfonctionnements et surtout, on compromet le cycle, on a assisté à ça partout pratiquement dans plusieurs pays dans le monde, à des effondrements spectaculaires de pêcheries parce qu'on n'a pas eu cette observation entre la capacité, la puissance de pêche et les possibilités que peut permettre la capture. Parfait. Alors, deuxième question, elle est plutôt par rapport justement à cette question de ressources nourricières. Donc, l'internaute se demande si une baisse des prix peut aider à reconquérir le marché intérieur et atténuer les effets de la crise du secteur de la pêche hauturière. Oui, dans une certaine mesure, pour une certaine petite part, mais parce que le gros du morceau, c'est surtout la pêche côtière qui... C'est le poisson frais. Le Maroc est un marché de poissons frais surtout. Vous voyez, pas un poisson congelé. Deuxièmement, les espèces de la pêche hauturière, en général, c'est des espèces très particulières. C'est le poulpe, le calmar, la sèche. Donc, c'est du poisson, disons, d'une valeur marchande très, très élevée à l'étranger. Mais c'est aussi un poisson qui est d'une valeur aussi élevée à l'intérieur, mais qui n'est pas de toutes les façons très, très, très répandu dans le style de consommation des Marocains. Mais il peut contribuer parce qu'il y a une partie de poisson, de ce qu'on appelle le poisson à écailles, qui est capturé en même temps que le poisson qui remonte dans les filets et en même temps que le poisson qui est ciblé par la pêche couturière. Et qui peut, bien sûr, qui écouler d'ailleurs sur le marché local à des prix. Bien sûr, le poisson congelé, il est un peu moins cher. Pas par le fait, parce qu'il est d'ailleurs très, très bon sur le plan sanitaire, sur le plan hygiénique, parce que le poisson, il remonte. Dès qu'il remonte de la mer, il est traité, il est mis dans la congélation. Et donc, il est hyper frais.